Bienvenue à cette journée donc consacrée au rapprochement entre la génomique et l'imagerie. C'est la cinquième année que nous organisons ces journées imagerie en partenariat avec la Société française de radiologie et notamment avec Catherine Adams-Baum qui y dirige le groupe éthique et Arnaud Cacchia qui est professeur de neurosciences à l'Université Paris-Cité. Voilà. On a décidé, avec Arnaud, avec Catherine, avec Romain Pommier également, qui est radiologue et qui interviendra au cours de cette journée, d'explorer les rapprochements entre génomique et imagerie, qui sont apparemment nombreux. On parlera beaucoup des découvertes incidentes. Bien sûr, les développements récents de la génomique et de l'imagerie, l'impact des systèmes d'intelligence artificielle sur ces champs font partie de ces points communs. Les transformations de ces métiers, le fait de devoir composer avec de nouvelles incertitudes, de nouveaux savoirs et aussi l'anxiété que ces savoirs peuvent générer. Donc on va parler évidemment de tout ça. Pour l'instant, je ne fais qu'esquisser ce qui apparemment rapproche ces deux champs. Et l'idée de cette journée, c'est aussi de faire ressortir les différences par-delà donc ces points communs apparents. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais laisser Nicolas Castoldi, qui est co-directeur de l'Espace éthique Île-de-France et directeur exécutif de l'initiative Atotel-Dieu à la PHP, et Catherine Adams-Baum, qui est radiologue, professeur émérite à la faculté de médecine de Paris-Saclay, introduire la journée. Nicolas, je t'en prie. Et Catherine.